Il y a 2-3 voitures tuning un peu. Bon, lui, il est tuning. Il y a 2-3 femmes tuning, tu sais. Ah, des femmes aussi. Ça veut dire des modèles qui posent sur les voitures. Là, c'est... Là encore, c'est des sportifs classiques ici, là. Mais tu l'as... T'es là, là, là... Ah non, tu l'as pas vu, toi, la nouvelle voiture oubliée. C'est la Cupra. Ouais. Donc, je la vois sur sa propre Facebook, c'est tout. Je vois que c'est une blanche, voilà, tout ça, mais... Bah, franchement, j'aurais espéré mieux. De quoi, en puissance? Non, elle fait 180 chevaux essence. Hein. Elle, tu penses... elle est prête, il y a une prépa et tout. Elle fait 180 avec la prépa. Oh, ouais. D'accord. Bah, ça doit être léger alors, parce que c'est turbo ou pas déjà dessus? Ouais. Et turbo, il a que 180 chevaux en prépa? Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Mais il est d'origine, c'est pas possible, il a rien tout de suite quoi. Non, mais elle fait 150 de l'autre. Ah ouais, alors Reprog, en fait, il a fait Reprog quoi. Reprog et filtre. Surtout, il a mis un arbre à cam spécial, c'est tout. Ça a l'air d'envoyer John, il m'a dit ça arrache. Ah bah c'est, oui, c'est sûr que ça fait là autant de chevaux que sur sa BM mais avec 700 kg au moins. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il l'a vidé ou pas Olivier? Tiens, enlever tout ce qui prend du poids et tout. Ça fait quoi ça? Ouais, en poids ça doit faire. Ouais. Normalement il devait venir. Moi j'en ai croisé sur la route là qui faisait le plein. Une Ford de. Tu sais les Focus RS là. Avec les deux grosses sorties là. Et je crois qu'il est de chez nous lui, enfin, je suis pas sûr mais. C'est le petit chien qui veut bouffer le gros, tu sais. On aura tout vu. Je crois que le chien de catégorie, ça devrait avoir un truc à la gueule. Tu prends le risque, hein. Ah mais j'ai regardé les gens dans les rassemblements et tout, ils kiffent les comment on appelle ça, les staffs là. Je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça. Non c'est des staffs. Ouais enfin c'est un peut-être mélange. Ouais c'est un staff. Ouais enfin je veux dire j'ai remarqué ils kiffent ça dans le tuning et tout dans les rassemblements. Non c'est des staffs. Mon collègue il a un staff, il vient d'en avoir un, c'est exactement la même chose. Oui y'a rien, c'est un. Il y a même des voitures d'origine qui sont mises là quoi. C'est quand même mieux quand il fait beau, hein, putain. La dernière fois, là. En fait, j'aurais dû prendre la moto cette fois-ci et j'aurais dû prendre la bagnole avant. Tu l'avais pas pour le week-end? Pas d'origine. Hein? Là, avant, tu l'avais pas pour le week-end. J'aime pas ça. Bon, c'est les pots d'échappement que ça va pas, en fait. Le genre de chicane comme ça, j'ai déjà été. C'est trop petit. Ben moi en fait j'aime bien quand la chicane, ouais, enfin comme moi tu sais quand tu la vois pas tellement. Mais là les chicanes un peu en plastoc on dirait comme ça, moi j'aime pas. Ça fait voiture bridée, ouais. C'est... Ça fait voiture bridée. Avec la TT Moi je lui ai pas demandé. Je me suis dit, il va se ramener, mais tu sais, parce que lui il a largué sa meuf, il s'était largué. Non, c'est vite. Si, ouais, mais t'es... Non, mais t'es. En plus, la Guédia était toujours comme mec. T'as par contre, en fait, je suis un peu en train de filmer là, en fait. Et du coup, ouais, je sais pas, il a dit ça fait chier, j'espère que je vais plus jamais m'attacher à une personne. Ça n'était pas vu la voiture machin. Machin. Ah ouais, Joanne. Peut-être qu'il est venu, peut-être qu'il a. Je sais pas. C'est bizarre qu'Aurélien il vienne pas ni débile. Ouais, surtout à Strasso, hein, on est d'accord. C'est toujours là, et tu vois, moi je vais en Suisse, mais. Ah ouais? Allemagne, ça fait. Ça, c'est de la bombe, les écrous comme ça, la violette. Enfin.
violacé là. Et là, ce que je veux dire, là, là, il y a encore des gens qui sont en train d'arriver ou ça se vide? Ça se vide pas là? Non, ça ouais, arrive. Ouais, voilà. Non, je sais pas, je trouve. Il y en a 2-3 qui partent, tu sais. Ouais, voilà, ouais. Du coup, je me suis dit aujourd'hui, tu sais, vu qu'il fait beau, que ça finit encore plus tard, je me suis dit, ouais, c'est bon, j'ai de la marge, j'arrive à 3h30, c'est bon. S3? Oh, les étriers, ils passent pas loin de ses jantes là sur la fenêtre à 32. Oh, ça passe à ça. Le jour où il se dévisse, il arrache tout, tu sais. Bouquet négro. Enfin, surtout, c'est des trucs qu'ils ont plus en Suisse. C'est un peu comme l'autre André qui me disait au Portugal, t'as les. Lui, des fois, il dit un peu des conneries quand même. Non mais tu sais genre non mais genre en fait tu sais ah, pourquoi il est pas d'accord? Non parce que tu sais qu'est-ce qu'il sortait? Il sortait bah au début tu sais il disait vrai, il disait qu'il y a la version au Portugal de 106 les 106 S16 là ça s'appelle le GTI je crois et elles ont 10 jours de plus un truc comme ça. GTI, elles sont... Ouais voilà. Non mais ah bah, oui. C'est peut-être ça, ouais. Bah non, je suis et la dernière fois et tout, il me dit non mais là les 106 S16 en 120 chevaux, il n'y a qu'en Portugal. Je l'ai pas contredit, je me suis dit, connerie. D'habitude, il dit pas le connerie. Juste en France, on a une idée. Parce que chez eux, c'est 130 chevaux, je crois. On a 120 et eux, ils ont 130. Je crois c'est ça. D'origine, voilà. C'est pour ça, ouais, mais je crois que c'est... Mais ils disaient qu'il y en avait qu'au Portugal. Le sticker, c'est pas le même, tiens. Ils disaient qu'il y en avait qu'au Portugal, mais les modèles suisses, c'est pareil, ils sortent en 130 chevaux. Ouais. C'est pour ça que. Sauf qu'il n'y a pas au Portugal, peut-être que c'est pas le même tarif. C'est peut-être moins cher justement que la Suisse. Après, je sais pas au niveau de l'assurance, comment ça se passe, vu qu'après on est dans le même rapport quoi, puissance qu'une française. Ouais, je sais pas. Ouais, voilà, après il y a ça. Hein, qui... Ils sont là-bas les 2-3 tunings. Ah ouais, les tunings, ouais. Voilà, c'est le meeting là. Ça, c'est ça, attends là. La Wind là, c'est que j'avais dit franchement si j'aurais, tu vois la Wind là, c'est ça que j'aurais voulu en RS. Ça c'est le problème, par rapport à la Twingo, tu rajoutes 50 ou 100 kg de plus et t'as le même moteur, t'as le 133 chevaux. Moi ça j'aurais aimé ça, ça fait un peu femme mais ça fait un peu bien aussi, à mon petit cabriolet quoi. Un petit cabriolet alors. Mais voilà mais c'est vrai, mais je veux dire ça change quoi, tu sais ça fait un peu plus rare tu sais. Parce que je te disais que je voulais une voiture assez unique. Mais bon, j'en sais rien pour l'instant, cette année je garde celle-là, faudrait m'occuper de la moto. Enfin, d'en acheter une. C'est qui est bon. C'est quand t'as la voiture de. Que personne n'a. Voilà, ouais. Il y en a une maintenant, pour être plus de sens, c'est comme la mienne, j'ai des. Ah ouais, du coup, ouais. Ah ouais, j'ai des démon. Elle est de quelle couleur? Noire. En jante comment? Pas de teintée, je sais plus. Je l'ai rouge, vu non? Pardon ouais. J'ai vu loin, je l'ai vu à centrale. Ah, il a. D'accord. Ah donc ouais c'est sûr que ça fout le débat. L'autre qui a une 106 Rally, à vrai, faut pas l'acheter. Hein. Ouais. La 106 Rally, c'est celui qui fait du pét. Ah non, ça a rien à voir lui. Pourquoi? Parce qu'elle a un souci. C'est un pote à Olivier. Olivier, il a dit, elle est toute tordue la voiture. Enfin, c'est pas Olivier qui l'a dit, c'est toi. Ouais. Denis m'a dit, on l'a eu au garage, elle est toute tordue. C'est là. C'est la GTR. Ah ouais, ouais. C'est l'autop celle-là. Ah là, le tuning de base là avec l'arrière. Putain, c'est tout en allure ça. C'est pas une bêtise, c'est un kit. Bah je pense hein. Ouais, c'est dommage, hein. Bon. Ouais. Bah au moins c'est bien, c'est un essence, c'est pas diesel. C'est déjà bien. Putain si je fais ça avec la diesel. Attends
Bon, elle est franchement belle celle-là, putain. Hein? Ouais. Ah, j'ai cru c'était des. Ça fait comme des pavillons d'enceinte, des murs de son, tu sais. Il y en a pas trop qui font ronfler quand même. Hein. Voilà. Ouais, c'est un Vessi sur la 8, ça. Il n'y a pas de vide. D'accord. Est-ce que quoi? Ouais, mais... Ah mais en fait pour refroidir il a les cartes. C'est bizarre pour moi. C'est un V8. Ouais. 6. Ah mais celle-là ouais. À moi. Juste ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas trop le bordel encore. Ouais. Les chemins sont partis, je crois. Ah bon? Ouais. Vas-y. Bah, ils vont partir, ils vont revenir dans une heure, tu sais. Franck, motive le monde. Non, mais je le ferai après, là, pour l'instant, on fait le tour du rasso. Je garde une trace du rasso, parce que bon, la dernière fois, on s'occupe du bordel, on prend pas de photos. Donc, bon. Ouais, chaque fois. Quoi? Il va montrer à ses potes demain, ils vont Ses potes. C'est là en cours, là. Ah, non, d'accord. Hein. Regarde la Sa bannière en fait il a un peu trop de décibels. Ça bouge un peu trop autour en fait, il est obligé de tout remporter, tout redémonter. Enfin, il arrête jamais quoi. Mais si ça marche son histoire. Super moteur ça. Ah ouais. Hein, hein. Mais j'ai déjà l'enduro, tu rajoutes 30 chevaux à l'enduro, ça donne la même chose. Bah rajoute 30 chevaux. Non mais sauf qu'en fait c'est moins confortable. L'enduro aussi c'est bien, c'est agile et tout, tu sais. Mais tu fais des sorties de route et tout, tu te fatigues. Tu te fais mal au cul surtout. La selle c'est pas top. Bon après c'est une enduro. Celle-là ça doit être plus confortable je pense quand même. J'ai vu une autre AX. Mais quasi d'origine je crois. Non pas GT, le spot je crois.
Putain, j'ai déjà plus de batterie dans le caméscope. Oh, lui, il y a une peinture là. J'imagine même pas la valeur de la peinture là. Le type il se la fait rire, il est. Hein? Le type il se la fait rire, il est. Ah, c'est la garde, ouais. Zone de Sirius, ça pour dire. T'as la Corvette là, maintenant. Ouais. Il a pris une vidéo, ça, là. Ouais. Il y avait les Porsche, tout, les arrivées et tout. Mais je pense que ça a foutu le bordel. Il a mis les PD, il a marqué. De quoi ? Ah, bah, t'es copié en dernier. Ah, bah, tu filmes les Schmitt, t'as dit en dernier les PD. Ouais. Donc, apparente, il y a un flic que j'ai vu qui. Ouais. Premier wagon, deuxième wagon pas mal. Bon, par contre, fais gaffe, si tu mets ça sur Facebook, là, il y a un gendarme qui est sur la page de l'événement et tout, Lionel, je sais plus quoi, il s'appelle Lionel Terrier, un truc comme ça. Tu mets ça, là, t'es dans la merde. Voilà. Vite, garde ça pour toi, tu montes à tes potes, mais. Ouais, même les filles qui s'incrustent sur l'événement. Ah, mais c'est lui qui était à côté de moi quand j'avais fait mon jeu de culasse. Ouais, lui, de Grenoble. Bah, lui, je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, c'est ceux-là qui sont vraiment fait plein. Qui ont fait plein, je me rappelle. Celui-là est pas mal, celui-là. Putain, l'intercooler. Oh, l'intercooler qu'il y a dessus. Oh, sur la Ford. L'intercooler, il fait 1 $. Non, putain. Mais ça, ça doit être les versions comité Louis, là, 400 jours. Là. Je sais plus, c'est de son pote, elle faisait 400 avec lui. Ouais. Je pense que vous devez faire dans ces jours-là. Putain, il y a un truc là, Vercors Supercar là. Pour faire, je crois, t'as plein de gros tout qui se présentent et tout pour prendre des gens et pour leur faire des sensations quoi, un peu. Ça, faudrait que je fasse un jour un tour avec Atari. Et tu payes quand même 25 euros. J'aime bien les billets. Bon, 25 euros. Ouais. Allez, allez, allez. Ça, le son, il est pas dégueu. Ah, il y a des likes, c'est pote. C'est un visiteur, ça. Ouais. 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 C'est un truc de voiture, il y a tout le monde qui craint. Bah, j'ai entendu parler d'Alex, mais j'ai pas entendu ce qu'il disait. J'ai cherché à entendre, j'ai pas réussi. Ça a dit quoi? Ça a dit quoi, etc. Je sais pas, j'ai pas entendu. Elle est trop périmée. Ça, remarque, tu sais, qu'elle soit belle ou pas, j'ai envie de pouvoir dire ça. Non, mais encore une peinture cette année, mais avec de la meilleure peinture. Regardez là-bas, c'est enculé. Ouais, par contre, attends, je filme. Bon, non, c'est pas grave, je les ai pas filmés, c'est bon. Tu peux même prendre ma plaque en photo si tu veux. Et d'ailleurs, faudrait que je la réécoute complètement la vidéo, voir qu'est-ce qu'on dit, parce que des manches, je sais pas si on a pas dit de la merde. C'est une bleue comme ça que je voulais acheter à la base. Ah bah là, ouais, comme ça, c'est au top. Mais ça, c'est une S16. Les jantes, elles sont nickel. Lui, au moins, il a pas gardé les jantes d'origine. Ah, c'est bon, la vidéo, elle est faite. Hein. Hop.